Je me trouve devant la boulangerie du Pain Cheng où sévit une nouvelle... Salut tout le monde, laissez-moi faire, ça va être du gâteau. Alors mon minou, on veut jouer les sauveurs? Personne ne sauve personne aujourd'hui. Pile à temps, chat noir. Content de te voir, Buginette. On dirait qu'on a du pain sur la planche. Arrête de m'appeler Buginette. Allez, suis-moi. Waouh, ça fait quand même un paquet de photos. Hé, hey, on fera le tour du propriétaire plus tard, d'accord? Oups, désolé. J'ai dit plus tard, chat noir. Attention. Qu'est-ce qu'on va faire? Impossible de la toucher, elle disparaît dès qu'on approche. Mais sa force est aussi sa faiblesse. Si elle veut pouvoir nous toucher, elle est obligée de se rendre saisissable. Oh, excuse-moi. Attention, elle est sûrement cachée quelque part. Si elle veut prendre nos Miraculous, elle ne peut pas rester insaisissable. Et si on peut l'attraper, on peut aussi lui prendre son stylo. Et du coup capturer l'Akuma. Mais il faut être rapide. Je te tiens. Tu as déjà perdu la moitié de la bataille, Ladybug. Non. Excellent travail, insaisissable. Cataclysme! Eh ben, c'était moi une. C'est vrai que j'aimerais connaître ton identité secrète, mais pas en plein combat contre une super vilaine. On en reparlera quand on se sera débarrassé de l'insaisissable et du papillon. Le ketchup! Une assiette cassée? C'est bizarre! Je ne vois pas à quoi elle sert. Ton pouvoir est peut-être affaibli à cause de la boucle d'oreille? Je dois trouver la solution. Ça y est, j'ai compris. Atelier de collage. Sérieusement? Cette fois insaisissable ou pas, tu ne nous échapperas pas. Fais attention, chat noir. Elle peut surgir de partout pour prendre nos Miraculous. Personne dans cette pièce. Je monte sur le toit, reste en bas. Non, ne me laisse pas seul, j'ai que cette assiette pour me défendre. Bravo, insaisissable. Prends son Miraculous. Quoi? On dirait que je te pose une colle. Pauvre Buginette. Encore un super vilain qui s'est attaché à toi et dont tu ne peux pas te défaire. Désolée pour toi, mais il n'y a qu'avec moi que ça colle. Je vais bien. Merci, Ladybug. Oups, on doit filer. Rock'n'roll! Rock'n'roll! C'était moi une, mais c'est pas aujourd'hui que tu vas découvrir mon identité secrète. Je sais très bien qui tu es. La fille de mes rêves. T'es bête, chaton. Bien joué. Allez, assez rêvassé. C'est quoi ce bazar?
Malady, je nageais en plein cauchemar jusqu'à ce que tu arrives. C'est pas le moment de roucouler. On garde les yeux ouverts. Regarde, le nuage est en forme d'oreiller. Je suis prête à parier que l'Akuma est à l'intérieur. Parfait, proposons-lui une bataille de polochon. Vous n'êtes pas de taille à affronter vos pires cauchemars. Il se déplace beaucoup trop vite. Et son sable maléfique vole partout. Le ketchup. Non, pas ça! Qui va avoir un bijou magique? Ladybug! Qu'est-ce qui m'arrive? Bien joué, marchand de sable! Privé de ses pouvoirs, il va être facile de lui prendre son miraculous. Ladybug, ton pire cauchemar est pour moi le plus beau des rêves! Le cauchemar peut commencer. Reste derrière moi, Malady. T'as toujours tes pouvoirs, toi? Oui, mais c'est pas mes pouvoirs que j'ai peur de perdre. Ah oui? C'est quoi? Charar! Vilain Matou, je ne t'aimerai jamais. Je veux juste me débarrasser de toi. Toi aussi, t'as drôle de rêve. Oui, bah désolé. Je vais vous anéantir. Naked Charar! Oups, désolé, Malady. Reste derrière moi. Je te protégerai. Tiens-toi tranquille, sale chat. Mino, 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 mino. Viens là. Il va falloir trouver un plan, là, et vite. Ne bouge plus, donne-moi ton miraculous, Ladybug. Alors, tu veux qu'on joue à chasse tous les trois? Approche, Mino. Attention, Ladybug. Ladybug, je vais me transformer, t'as une idée, là? Je réfléchis. Viens, faut la tirer par ici. Tu crois que tu me fais peur? Tu n'es rien qu'un ridicule cauchemar! C'est ce qu'on verra quand je serai réduit en pâté de pourchat! Maintenant! Viens, suis-moi! Jusqu'au bout du monde, Malady! Donnez-moi vos miracles! Il se montre plus résistant que prévu. Mais il reste toujours la dernière phase du plan. Je te laisse le marchand de l'air, Chalois. Ça tombe bien, cette bataille m'a creusé l'estomac. Que nous trois, papillons. Cataclysme. Le ketchup. C'est un signe, papillon. Le signe que ton miraculous va finir à sa place dans cette boîte. Êtes-vous sûr que vous ne faites pas une grave erreur? Que le vœu que je souhaitais formuler n'aurait pas été immensément bénéfique?
Pour chaque vœu prononcé, il y a un prix à payer. Pourquoi ne pas nous dire ce que tu souhaites? Donnez-moi vos Miraculous et vous le découvrirez. Contrairement à vous, je n'ai pas peur de ces pouvoirs. Puisque vous êtes des gentils, pourquoi ne pas vous en servir pour changer le monde en mieux? Détrompe-toi, papillon. Chaque jour, nous changeons le monde. Par nos actions, pas en akumatisant des citoyens innocents pour réaliser je ne sais quel vœu. Peu importe ton vœu, il ne peut être que maléfique vu le chaos que tu sèmes. L'heure est venue. La victoire est enfin entre vos mains. Il n'est pas trop tard. Tu peux faire ce qui est juste à nos côtés. Non! Tu n'es vraiment qu'un lâche, papillon. Mais cette fois, tu ne peux plus te cacher. Choisis un adversaire à ta taille. T'en fais pas, Adrien. Je ne le laisserai pas te faire de mal. Adria et Chat Noir sont côte à côte. Ainsi, je me suis trompé. Eh bien, tant mieux. Gorizilla, prends le Miraculous de Chat Noir pour de bon. Raté. Raté et encore raté. Si bien mon grand approche un petit peu plus. Là. Cataclysme. Ici Chat Noir Express, spécialiste en livraison de grosses bestioles. Je savais que je pouvais compter sur toi.